Alors, le programme du Trio Wanderer, en fait, nous l'avions conçu pour l'an dernier, puisque c'est un des concerts que nous avons reporté. Et l'an dernier, c'était la célébration du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Alors, c'est vrai, nous nous sommes questionnés, les musiciens du trio et moi, sur le fait de garder ce programme ou de partir sur complètement autre chose. Et puis en fait, on avait eu cette projection, on attendait avec envie d'entendre ce programme. Et puis ce sont des chefs-d'œuvre. Enfin, Beethoven, la musique de chambre, évidemment Beethoven tout court, l'œuvre symphonique et le répertoire de piano. Mais ces trios, c'est comme un fondement en fait. Donc j'avais très envie de les faire partager au public dans l'interprétation du trio Wanderer, qui depuis plus de 30 ans parcourt le monde avec ses œuvres de Beethoven. C'est une grande joie aujourd'hui de revenir écouter ce concert parce que c'est finalement l'ouverture d'une nouvelle vie, je l'espère, post-Covid. Et c'est une grande émotion que de retrouver la Malabrerie et le festival de violoncelle que nous avons malheureusement pas pu avoir l'année dernière. Je souhaite bonne chance à cette saison 2021 du Festival de violoncelle et je ne doute pas que le public va être présent, pas aussi nombreux qu'il l'aurait souhaité, mais c'est déjà le retour d'une vie quasi normale. Thank you.